m'appelle Sophie Elbouzidi de la 6e année primaire. Et aujourd'hui, nous sommes très contents que vous soyez ici présents avec nous dans cette 16e édition Student Talk, organisée par notre grande école Riyad Al-Andalus. Grâce à cette passionnante activité, on apprend à nous exprimer en public et à forger notre personnalité. Dans cette édition, je tiens à remercier tous les élèves qui ont tenté d'y participer. Je vous souhaite tous, parents et élèves, d'agréables moments et encourageons fort nos chers participants qui aujourd'hui ont l'honneur de nous présenter leur sujet sur le thème de notre cher pays, le Maroc. Merci. Bonjour, je m'appelle Sarah Edman. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc. Le Maroc vient du nom de l'ancienne capitale du pays Marrakech. C'est un pays d'Afrique du Nord, le seul qui a à la fois un accès à la mer Méditerranée et à l'océan Atlantique. La capitale du Maroc est Rabat. La population est d'environ 36 millions d'habitants. La plus grande ville est Casablanca. La superficie est du pays est de 710 000 km². La monnaie s'appelle les dirhams. Les langues officielles sont l'arabe et le berbère. Le français est souvent utilisé dans la vie professionnelle à la langue espagnole au nord du Maroc. Aujourd'hui, je vais vous parler du paysage au Maroc. Le Maroc est parmi les plus beaux pays du monde. Océan Atlantique, mer Méditerranée, montagne de l'Atlas, désert du Sahara, gorge, village traditionnel, médina parmi les plus belles du monde arabe, sans oublier l'hospitalité et l'une des gastronomies marocaines les plus réputées du monde. Voici 11 paysages incontournables du royaume chérifien que vous laisseront juger par vous-même. Les gorges de Toudran. Au sud du Maroc, explorez le massif montagneux de l'Atlas. Prenez la route au cœur de la vallée de Toudra. En chemin, fondez des falaises de calcaire hautes de 300 mètres. Vous entrez dans les loges de Toudra. La première phase du complexe Nour Wajazat I a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2016. Étendu sur plus de 3000 hectares, le complexe Nour Wajazat est constitué de 4 centrales solaires utilisant des technologies différentes. Nour Wajazat 1 et 2, miroirs cylindraux paraboliques. Nour Wajazat 3, centrales solaires à tour. Et Nour Wajazat 4, centrales photovoltaïques. La puissance installée du complexe est de 580 MW. 2. Le port Tangemed. Tangemed est un complexe industrialo-portuaire marocain situé sur le détroit de Gibraltar avec une capacité de traitement pouvant atteindre les 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions-tirs et l'export de 1 million de véhicules. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cuisine marocaine. La cuisine marocaine est l'une des cuisines les plus variées et les plus savoureuses du monde. Elle se caractérise principalement par une large diversité de plats. Couscous, tagine, pastilles, choui. L'originalité et la richesse de cette cuisine tient à la multitude d'influences qu'elle a subies. Arabes, berbères, juifs, subsahariennes et même andalouses. Toutes ces influences ont fait que la gastronomie marocaine soit une cuisine chaude, généreuse, parfumée et colorée à l'image du pays. Parmi les plats les plus populaires, on cite le tagine. Ce mot indique à la fois contenant qui a un plat de terre cuite surmonté d'un couvercle conique. Le sport au Maroc. Célèbre pour sa culture, son histoire et ses traditions entièrement préservées, le Maroc a le privilège d'appartenir au cercle des plus beaux pays du monde. Il constitue une destination de choix pour les vacances de tous les goûts, proposant plusieurs activités ludiques et sportives. L'histoire du sport au Maroc. Jusqu'au 19e siècle, ce sont les sports équestres qui intéressent le peuple marocain. Mais l'arrivée des Européens a changé la donne en important le tennis, le polo, la natation et le football, qui est très vite devenu le premier sport national. Depuis cette époque, beaucoup de jeunes se sont montrés enthousiastes au développement de ce sport au Maroc. Aujourd'hui, je vais vous présenter certaines traditions du Maroc. Comme tous les pays, le Maroc a ses propres traditions, qui doivent évidemment être connues et respectées. En général, les Marocains sont très accueillants. Ils auraient toujours une occasion d'être invités chez eux.
même si le traitement aux rencontres a été seulement professionnel. Invités à un déjeuner ou un dîner avec leur famille sans obligation, tous, on se demande quoi leur faire pour leur remercier. Respectez le mois sacré du Ramadan, l'une des nombreuses traditions du Maroc et d'autres pays musulmans est le Ramadan. Si votre voyage coïncide les périodes de jeûne, il ne sera pas nécessaire de le remplir à la lettre. Mais vous devriez respecter quelques points. Ne pas manger en public. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, je vais vous parler de musique et danse, tradition incontournable. La danse et le chant tiennent une place importante dans la culture marocaine. Les maîtres chiours, conservateurs de la tradition marocaine, animent les cérémonies. Ces derniers sont en général les baptêmes, les mariages ou autres. Les mecs chantent des textes religieux, des poèmes ancestraux ou des chansons basées sur la vie quotidienne en compagnie d'un instrument de musique, le bendir. En matière de musique traditionnelle, vous entendrez de l'andalousie, du shaabi et du rif. Toutefois, les musiques venues d'ailleurs, comme le jazz, le blues, le soul et le rock'n'roll, sont aussi écoutées par tout le monde. Tout a commencé en 1960 avec la naissance de Somoka. 2003 est une autre date clé puisque cela a marqué l'arrivée des premières multinationales comme Renault. En 2015, le Maroc a signé un accord cadre avec PSA pour la construction d'une usine qui va permettre la fabrication de 200 000 voitures par an. Cette usine est considérée comme la plus importante dans le secteur automobile au Maroc. Grâce au secteur automobile, plusieurs emplois ont pu être créés. Comme vous pouvez le constater, le nombre d'emplois créés a pu passer du simple au double entre l'année 2014 et 2018, ce qui est impressionnant. En ce qui concerne les exportations, selon l'Office d'échange, le Maroc a passé d'un chiffre d'affaires de 40 262 millions en 2014 à 72 milliards de dirhams. Le Maroc et ses habitants évoluent au rythme de l'art de vivre méditerranéen reconnu par l'UNESCO. C'est un ensemble de pratiques et de plats, de symboliques qui font l'agrément de tous les jours et qui vous enchanteront. Des thés à volonté, des rassemblements autour de couscous et du tagine. Un commerce de l'artisanat traditionnel, une solidarité étroite. Des fêtes et des célébrations. Plusieurs manifestations et célébrations marocaines prennent place dans toutes les villes du Maroc. Des manifestations culturelles et religieuses qui illustrent parfaitement les traditions marocaines. On se réunit lors des fameux moussim et des festivals. Ne manquez pas le festival de Tantane, particulièrement réputé et inscrit depuis 2008 au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Culture in Morocco is a major sector and contributor to create job opportunities, especially in the rural world. The arable area in Morocco is about 8 million hectares. Because of the lack of rainfalls, the Green Morocco Plan was adopted as an ambitious program to transform the use of the land into an activity with better added value, such as planting fruit, trees and pastoral crops. Je m'appelle Isra Boubouh de la 6e année primaire. La 16e édition de Student Talk touche à sa fin. Je tiens à remercier vivement toute personne qui a contribué à la réussite de cette initiative et je cite en particulier les élèves qui ont participé à cette édition de Student Talk, le staff administratif et sans oublier les parents qui ne cessent d'encourager leurs enfants à participer aux activités qu'organise notre chère école Riyad Andalus. Ce genre d'activité nous permet de nous exprimer, de forger notre personnalité et de nous initier à la prise de parole en public. J'espère que vous avez passé un bon moment en suivant cette édition, que ce soit en présentiel ou à distance. Enfin, j'invite tous les participants à monter sur scène et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. منهاج مبني على خيرة لصوص الناس والعلام والاخلاق العالية بيبان مفتوحة وصورها عالية